Puis une partie un peu plus harmonique. Voilà. Et là, si je ne sais pas où je me situe dans le cycle, forcément, à aucun moment, je pourrais être pertinent sur juste le changement de cycle. Ça, c'est super important de bien marquer. C'est un peu comme au moment du changement de cycle, le batteur, il va l'amener avec une reprise de batterie. Ben, dans l'impro, moi, je le fais systématiquement. Je l'amène et le premier temps, il y a une note caractéristique. Exemple, là, on passait d'une rythmique en mi mineur à do majeur 7. Donc, je vais presque systématiquement jouer la septième majeure ou la tierce, qui sont les notes les plus caractéristiques de l'harmonie. Au moment où il y a cet accord-là. Donc, il y a une sorte de changement d'attitude dans le jeu. Comprenez le truc. Et ça, si je n'ai pas une notion parfaite de la durée d'une mesure 4-4, je ne pourrai jamais l'approcher de manière confiante. Voilà, je vais le faire approximativement, puis moi, ça va m'énerver. Approximatif, ça m'énerve. Et là, bon, je l'ai fait à 99% de ce que j'aime. Aujourd'hui, je joue moyen. Ça me fait chier. Oui, je dois être honnête avec vous. Vous avez compris un peu là où je voulais en venir. Je voulais... Il y a une grille que j'aime bien jouer. C'est un truc que j'avais fait il y a longtemps. C'est une grille qui s'appelle I am a Viking. I am a Viking de Malmsteen. Bon, je ne joue plus à la Malmsteen maintenant parce que je suis passé à d'autres trucs. Mais elle est super intéressante dans le sens où elle fait intervenir... pour les aficionados de la gamme mineure harmonique, elle fait intervenir les trois cadences principales qu'on trouve dans la gamme mineure harmonique. Ta mère. ah merde, vous m'avez entendu? Pardon. Il n'est plus là, de toute façon. Il est petit con. Il s'est barré, c'est bien. Hein? Il est parti faire sa chambre. Et toi? De toute façon, je vais appeler ta mère. Voilà, donc là, il y a plein d'accords. Du coup, si on ne connaît pas l'harmonie, et puis si on est à la rue sur le plan de la métrique, c'est carnage. On va faire carnage sur carnage. Vous avez compris le principe
de la modulation à chaque fois, à chaque fois, j'essaie d'être pertinent avec l'accord qui est joué. Donc s'il y a 40 accords, je serai en consonance la plus parfaite possible, ce que j'essaie de faire en tout cas, avec l'accord. Et la consonance la plus parfaite, c'est d'arpéger l'accord. Mais moi, je cible juste une ou deux notes, des fois, sur 120 octaves, la même triade, voilà. C'est, le principe, c'est ça.